Salut toi! Aujourd'hui, on va parler du Festival d'Avignon. Comme je suis une grande fan de théâtre, j'essaye de me dégoter quelques jours en été pour y aller. Du coup, je t'ai trouvé quelques pièces de théâtre qui pourraient vraiment te plaire et qui vont peut-être, qui sait, passer pas loin de chez toi, donc n'hésite pas. C'est parti pour le top 5 du Festival d'Avignon Off de 2018! La première pièce dont j'ai envie de te parler s'appelle « Occupe-toi du bébé » de la compagnie Forget Me Not. Si tu penses que le titre te dit quelque chose, tu penses peut-être à du Fedo. Et dans ce cas-là, je t'invite à très gentiment passer ton chemin, parce que là, on n'est pas du tout dans le même style. La pièce a été écrite par Denise Kelly, que tu as peut-être déjà vu en tant que scénariste de la merveilleuse, l'extraordinaire, la merveilleuse extraordinaire série Utopia. D'ailleurs, je t'invite à aller la regarder parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Mais trêve de Jessica Hyde, aujourd'hui, on parle théâtre. Le pitch est simple. Une femme est accusée d'avoir tué son enfant. Et oui, ça pose l'ambiance. Après avoir été condamnée, elle est innocentée pour un manque de preuves à l'issue de son procès en appel, pour finalement être relâchée après 14 mois de détention. Dans une scénographie qui pourrait aussi bien ressembler à un plateau de télé-réalité, se pose alors la question de l'éthique des médias qui auraient plus tendance à opter pour du vulgaire et du voyeurisme déplacé. Les personnages sont à la fois froids, mystérieux, faux, séducteurs, extravagants, hilarants, étonnants, une vraie métaphore du plus grand théâtre du monde comme le disait Shakespeare. À savoir que Denise Kelly s'est inspirée de différents cas de mères infanticides réels pour écrire Occupe-toi du bébé qui a été conçu comme un véritable scénario théâtre documentaire. Bon, c'est sûr que pour commencer ce n'est pas forcément facile, mais la présence des comédiens est poignante et nous plonge tout de suite dans l'histoire. Il y a beaucoup d'humour et on ne sait pas vraiment de quoi on rit. Est-ce qu'on rit de la société, des personnages, des médias ou encore de nous? La mise en scène est simple et parlante, afin de mettre en valeur le sujet qui nous place face à une société miroir, embuée de médias et de faux semblants. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé et ça m'a touchée, alors que je ne m'y attendais pas tant que ça. J'ai eu une vraie bonne surprise et un texte comme celui-là peut clairement vous accrocher. Mais vu qu'à Avignon il fait très chaud, et oui, tu t'en rappelles, si tu l'as déjà fait, ça ne s'oublie pas. Et qu'on a peut-être éventuellement besoin d'un peu plus de légèreté en ces temps où on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de questions. Je suis donc passée à la cour du Barouf, un lieu juste génial, en plein air déjà, qui est spécialisé dans les ateliers de Comédia dell'Arte. C'est-à-dire que chaque année, ils sont partenaires avec une école de Comédia dell'Arte, et on a donc les promotions des étudiants qui viennent nous faire des représentations. Et chaque année, on en prend plein les yeux. J'ai eu l'occasion de voir déjà d'autres pièces de cette compagnie qui m'avaient vraiment beaucoup plu, par exemple avec L'Avare ou Opéra Underground. Et le dragon n'est pas en reste. La mise en scène est de Carlo Bosso, comme à son habitude, et cette fois, c'est la 12e compagnie qui jouait. Le dragon raconte l'histoire d'un village où tout se passe paisiblement, jusqu'à ce qu'un dragon fasse mine de protéger tout le monde. Mais en échange, le village doit lui fournir 1000 chèvres, 10 000 vaches, une tonne de sel, et bien sûr sans oublier la plus belle fille du village à marier. Mais un jour apparaît Lancelot, le chasseur professionnel de dragons. Une fable charmante, énergique, qui fait du bien aux yeux et aux oreilles. La pièce est entraînante, rythmée, et malgré un synopsis qui peut paraître un petit peu simple, on a un travail de qualité, des jeux d'acteurs, de la musique, des chorégraphies, on a quelque chose de super en tant que compagnie, vraiment. Et même si le quatrième mur est régulièrement cassé, on est complètement intégré à l'histoire, et c'est fait de manière discrète et subtile. C'est pas non plus trop bourrin, et moi, perso, je me prends beaucoup au jeu. Ce que j'ai toujours aimé quand je vais à la cour du Barouf, c'est qu'on peut réellement y voir une ambiance de compagnie, des gens qui travaillent et qui jouent ensemble jusqu'au bout. On peut voir aussi tous les artifices, les rouages qui étaient jusque-là cachés, où la mise en scène et la technique ne font alors plus qu'un. La mise en scène est-elle adorable, douce et accessible pour tous les imaginaires? Le jeu des acteurs est convaincant, amusant. Le poids des mots et le travail sur les expressions faciales et le corps est vraiment prenant. Sans compter les chansons et les chorégraphies qui apportent une autre dose de douceur supplémentaire à cette histoire très sympathique. Bref, si tu veux rigoler, passer un bon moment, renouer avec ton côté enfantin et ne pas te prendre la tête, n'hésite pas, va voir le dragon. Après t'être bien marré, tu es peut-être maintenant un peu plus mûr pour aller voir quelque chose de moins léger, mais tout aussi sincère. Nous, on allait partir, on cherchait un dernier spectacle, et comment on fait pour chercher un dernier spectacle à Avignon quand on n'a pas le temps? On regarde les affiches, il y en a partout, partout, partout. Bon d'accord, normalement on regarde le synopsis, les acteurs, la qualité d'acteur, le 1-1, mais là, on n'avait vraiment pas le temps, on avait besoin d'un spectacle rapidement et d'un bon spectacle. Du coup, on s'est dit, la première affiche qui nous donne un coup de cœur, on y va. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur celle-ci. Nous sommes donc allés voir Monstrueuse. Les Monstrueuses, c'est Ella, qui perd connaissance devant un laboratoire d'analyse médicale alors qu'elle apprend tout juste qu'elle est enceinte. Passé le choc, elle se réveille dans une chambre d'hôpital en 1929 et a complètement oublié qui elle était.
On commence à comprendre où est-ce qu'on veut nous emmener avec cette amnésie et ses retours en arrière. Et là va devenir successivement sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ainsi que d'autres femmes liées de près ou de loin à sa famille. En se perdant et en revivant toutes ses identités familiales, elle va petit à petit se reconstruire elle-même. On assiste alors à une fresque féminine du XXe siècle, du Yémen à la France, où l'on voit des femmes fortes, indépendantes, touchantes, mais aussi qui semblent toutes atteintes par une volonté coupable qu'elles se transmettent de génération en génération. Bien sûr, elles se disent monstrueuses, mais cela reste à nous d'en juger. L'indépendance et le poids maternel de la femme est un sujet fort, qu'on cache encore trop aujourd'hui et qu'on ose à peine effleurer. Et c'est avec douceur que la pièce évoque la domination masculine, les mariages arrangés, les avortements clandestins, les douleurs de l'accouchement ou encore les questions autour de la maternité et de l'amour maternel. En rentrant dans la salle, je ne pensais pas que le dispositif allait aussi bien marcher sur moi. Déjà, au niveau de la mise en scène, on est très minimaliste, très épuré. On a des lumières, un paravent, un lit d'hôpital et deux acteurs. L'actrice est puissante, elle interprète ses personnages avec le cœur et le corps. Elle est poignante et vraiment, on ne peut pas rester de marbre, c'est très émouvant. On sent vraiment une complicité se former entre eux et c'est vraiment touchant à voir sur scène. Mais comme tu le sais, le théâtre, ce n'est pas tout le temps du texte et des personnages. Aussi mélanger plusieurs formes d'art. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler du Maître et Marguerite qui va savamment mélanger le musical, la mise en scène et l'interprétation de personnages. T'es prêt ? Je ne vais pas te parler de la pièce originale, je vais plutôt te parler de la mise en scène. Si jamais tu veux en savoir plus sur la pièce, tu n'as qu'à taper le Maître et Marguerite sur ton moteur de recherche. Voilà, tu auras pas mal de renseignements. Non, mais en vrai, je ne peux pas vraiment t'en parler parce que c'est une pièce relativement ovniesque. On ne sait absolument pas dans quelle catégorie la placer, puisqu'elle mélange à la fois une histoire d'amour, une critique sociale et politique, une comédie burlesque et un conte fantastique. Et qu'elle est aussi une œuvre majeure de la littérature russe du XXe siècle. Mais pas la peine de connaître tout l'envers de la Russie pour apprécier ces trois récits savamment enchâssés. Ici, dans une histoire pas forcément joyeuse, mais plutôt une histoire d'amour déçue, où pourtant on rigole beaucoup, j'ai pu trouver le poids des mots. En mélangeant les genres progressivement, on assiste à une adaptation de bonne qualité, très bien jouée et originale. Le rythme donné par les échanges avec le public est aussi extrêmement agréable. Alors forcément, c'est avec plus de facilité qu'on va pouvoir s'attacher aux personnages, et donc à leurs objectifs et leur histoire, puisque de temps en temps, ils vont être avec nous dans les rangs, ou bien qu'on va aller les rejoindre sur scène. On est véritablement avec l'histoire, et donc avec les personnages. Si on ne prend ne serait-ce que la scénographie, avec au centre l'espace de jeu, et le public sur les côtés et en face. La pièce a déjà été pensée de manière interactive. Et vu qu'elle est très bien faite, il n'y a pas de malaise ou de gêne. En tout cas, c'était vraiment un très bon spectacle qui m'a vraiment enchantée, où j'ai pu vraiment apprécier le jeu de cette petite troupe et vraiment ça donne envie d'en voir un peu plus et de les suivre de plus près. Et pour finir, la crème de la crème qui m'a personnellement scotchée dans mon siège dans ce petit Avignon 2018, j'ai nommé Batman contre Robespierre. Jean-Claude Barbès est un homme lambda. Il est citoyen quelconque, mari, employé transparent... Un monsieur tout le monde en somme. Jusqu'à ce que tout s'effondre, il rentre de son travail et trouve quelqu'un dans son appartement qui prétend être le propriétaire. Puis deux, puis trois, et jusqu'à quatre personnes qui interviennent. Petit à petit, Jean-Claude Barbès va être dépossédé de tous ses biens et de ses amis. Sa femme le quitte, ses amis disparaissent, il est licencié sans raison. Et ce, alors qu'il semblait avoir une vie rangée et tranquille, il perd tout ce qui compte pour lui de façon toujours aussi rocambolesque. Les propos sont subtils et amenés avec ce qu'il faut de dérision. On s'attache vraiment aux comédiens, d'ailleurs on peut carrément s'y identifier puisqu'ils vont jouer à peu près tous les personnages qui peuvent graviter autour de Jean-Claude Barbès. Ils ont une vraie complicité tous les quatre et c'est hyper agréable à voir jouer sur scène. Mais le spectacle est à la fois drôle, intelligent, touchant et bien pensé. Les quatre acteurs ont beaucoup d'énergie à revendre et une folie démesurée. Le rythme est vraiment bon et on ne s'ennuie pas une minute. On s'attache aussi beaucoup aux personnages ainsi qu'à leurs enjeux et en y voyant malgré tout un vrai reflet de ce que l'on peut voir du néolibéralisme de notre société. Pour moi, c'est un vrai mélange entre la critique sociale et le burlesque, mais sans être chiant ou quoi que ce soit. Je pense que vous vous marrerez en allant voir ce spectacle. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir Batman contre Robespierre, qui est pour moi mon coup de cœur du off de cette année. Voilà! Et voilà pour mon top 5 du Festival Off d'Avignon 2018. J'ai aussi été voir une pièce du IN cette année. Je suis allée voir Pièce de la Piccola Familia. Je n'ai pas vraiment envie de t'en parler en vidéo, néanmoins j'ai fait une critique un peu à chaud quand je suis sortie de la pièce, donc tu peux aller la voir, je te la mets en barre d'infos si jamais ça t'intéresse, et sinon elle est aussi sur le mur Facebook de Parallèles.
En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'étais super contente de te retrouver. N'hésite pas en tout cas à aller voir un petit peu les compagnies si jamais elles passent pas loin de chez toi. Ce serait dommage de les rater si jamais il y a une des pièces dont je t'ai parlé qui t'a plu. Moi, je vous retrouve pour un prochain parallèle qui arrivera sûrement fin du mois novembre ou décembre puisqu'il y a eu quelques nouveautés dans ma vie. Sur ce, moi, je te dis, va au théâtre ou continue d'aller au théâtre si c'est déjà ce que tu fais. C'est toi qui fais vivre le théâtre et c'est ça qui est super. Et surtout, à très bientôt. Salut !